Sur vous, je suis très contente de vous retrouver dans cette première vidéo. Je vais vous parler d'un sujet très très important, c'est le diagnostic anténatal. Donc en fait, c'est quand pendant la grossesse, les médecins font un examen, une échographie, et ils s'aperçoivent que notre bébé a un problème. Notamment, je vais parler des problèmes au niveau neurologique. Mon objectif, c'est de vous partager mon expérience et de vous rassurer, de vous accompagner au travers de mes vidéos. Si vous venez d'apprendre cette nouvelle, j'espère vraiment que vous tomberez sur mes vidéos et que ça pourra vous aider à profiter pleinement de votre grossesse, profiter de votre bébé et à ne pas trop vous tracasser pour les diagnostics que les médecins vont vous donner. Alors mon objectif, ce n'est pas de banaliser ou de décrédibiliser le discours des médecins, pas du tout, mais c'est pour vous montrer que quand il s'agit de problèmes neurologiques, c'est une science qui est encore inconnue et tout est possible, absolument tout est possible. Ne perdez pas espoir que votre enfant aille bien, aille beaucoup mieux que ce que les médecins vous annoncent. Et sachez qu'il existe de nombreuses techniques, de nombreuses méthodes que l'on peut mettre en place avec notre enfant dès la grossesse déjà et qui peuvent permettre énormément de l'aider. Déjà en commençant par l'alimentation. Puis ensuite, après la naissance, avec un accueil chaleureux, avec un allaitement bien mis en place, avec même s'il a des hospitalisations, avec vraiment tout ce dont il a besoin, il aura besoin, tous les éléments et toutes les techniques bienveillantes et efficaces qui lui permettront de dépasser largement ses limites et d'être un enfant absolument épanoui et avec qui vous vivrez des moments merveilleux. Voilà, donc c'est ça pour ma petite intro. Donc je vais vous raconter, je vais essayer d'être rapide, mais ça va être compliqué d'être rapide, donc je m'excuse à l'avance, mais c'est vraiment mon objectif de vous aider. J'avais fait un petit schéma, j'avais fait une première vidéo et ça a coupé, donc je vais vous recommencer ça. Hop. Donc mon objectif, ce n'est absolument pas de vous faire peur en vous racontant mon expérience à moi, puisque vous allez vous rendre compte que après, chaque cas est différent, mais en tout cas, dans mon expérience à moi, c'était extrêmement grave ce qu'on m'a annoncé. Et finalement, ben, en fait, ça n'était pas autant que ce qu'on m'avait dit. Pourtant, vous allez voir que je vais vous parler de kystes dans le cerveau, plusieurs kystes. Je vais vous parler d'examens médicaux. Je vais vous parler d'un IRM avec des lésions très graves. Et je vous montrerai des vidéos de mon petit garçon aujourd'hui. De ce qu'il est devenu aujourd'hui et waouh, c'est juste extraordinaire. Dieu soit loué, vraiment, c'est par la miséricorde divine, c'est extraordinaire. Je m'excuse pour les personnes qui ne sont pas croyantes, vous entendrez souvent parler de Dieu, mais sachez que moi, voilà, je ne peux pas m'empêcher de parler de Dieu parce que pour moi, voilà, je suis intimement croyante. En tout cas, sachez que les vidéos s'adressent à toutes les mamans, tous les parents et peu importe en quoi vous croyez. Ces vidéos peuvent vraiment vous aider. Mon objectif, c'est pas de faire des vues, je m'en fiche complètement. Même s'il n'y a que trois personnes qui voient mes vidéos, mais que ces trois personnes-là, ça les a aidées, alors j'aurais tout gagné parce que c'est ça mon objectif. Alors, on va reprendre rapidement le cours des événements. Donc, le troisième mois de grossesse, on va commencer en haut. Troisième mois. Hop. Donc, c'est la première écho. Ça s'appelle, on va appeler écho T1, c'est du trimestre 1. Donc là, qu'est-ce qu'elle m'annonce, la sage-femme? C'est qu'en fait, mon enfant, il a un problème au niveau du cerveau. Le pire, c'est que tout s'est très bien passé jusqu'à la fin de l'échographie. Elle remonte au niveau du cerveau, dit, attendez, j'ai pas bien vu. Et là, elle s'arrête et le silence total. Et elle me dit, je comprends pas ce que je suis en train de voir. Je comprends pas comment c'est possible, me dit la ligne médiane qui sépare les deux hémisphères du cerveau. Elle est incomplète de moitié. M'excuserai, pardon, pour mon dessin rapide et pas très. Pardon, oulala. Très clair. Excusez-moi. C'est comme ça. En gros, qu'il y a une ligne médiane qui va jusqu'en bas normalement, et là, elle s'arrête juste ici. Ça voudrait dire que. En tout cas, c'est moi ce que j'en ai déduit. Elle n'a rien déduit. Elle m'a juste dit ça. Elle m'a laissé partir. Donc, ligne médiane incomplète de moitié. Moi, j'ai cherché pendant. J'ai dû attendre tout le week-end. Même c'était 4 jours, j'ai attendu avant mon prochain rendez-vous pour pouvoir voir le référent de la maternité.
C'était la seule personne compétente pour, à peu près compétente pour pouvoir essayer de poser un diagnostic, puisqu'à ce moment-là, elle ne m'a pas donné de diagnostic, elle m'a juste dit ce qu'elle voyait, mais qu'elle en était certaine, parce que je lui demandais, est-ce que vous êtes sûre? Elle m'a dit, oui, j'en suis sûre. Et en vérité, c'était faux, puisque j'ai vu le référent de la maternité 4 jours plus tard, et pendant ces 4 jours qui ont été longs, mais j'ai l'impression que c'était une année s'était écoulée pendant ces 4 jours, c'était très très long. J'ai fait plein de recherches, j'ai regardé sur internet, je n'ai rien trouvé. J'ai tapé ligne médiane, incomplète, je suis allée sur les forums Doctissimo, etc. Et voilà, je suis allée sur un forum d'ailleurs, je suis tombée sur une infirmière qui m'a dit, je lui ai dit, est-ce que c'est possible qu'elle se soit trompée? Elle me dit que non, que c'est pas possible qu'elle se soit trompée, que c'est un professionnel, qu'elle est habituée à faire des échographies sûrement, donc c'est très peu de chances qu'elle se soit trompée. Mais moi, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai vraiment été dans un état d'esprit, j'ai beaucoup médité, j'ai beaucoup prié, et vraiment, voilà, par la miséricorde de Dieu, le tout miséricordieux, ben en fait, c'était faux. C'était un miracle. Et même elle, d'ailleurs, elle était présente, la sage-femme, lors de l'échographie avec le référent de la maternité. Et quand il a vu que non, c'était faux, la ligne médiane était complète. Elle était bien complète. Elle était choquée. Elle l'a regardée comme ça, en étant vraiment gênée. Et elle était incomplète, mais il y avait un autre problème, par contre, qui était un peu moins grave, mais quand même très très grave selon les médecins. C'est qu'en fait, ici, pourquoi elle ne voyait pas la ligne médiane, pourquoi elle n'a pas vu la ligne médiane, c'est parce qu'en fait, il y avait un kyste. Voilà, donc il y avait la ligne médiane comme ça. La ligne médiane, elle était déviée. C'est incroyable quand je repense à tout ça en même temps que je vous raconte et je vois mon petit garçon en train de dormir. C'est assez extraordinaire ce que j'ai vécu. Alors voilà, donc en fait, en gros, ici, il y avait une masse. Très grosse masse kystique qui faisait que la ligne elle était déviée en fait comme ça et puis après apparemment il voyait plein d'autres kystes je ne sais pas je fais n'importe quoi mais je pense des kystes un peu partout voilà mais en gros quand même entre ce diagnostic là il y a une énorme différence parce que le fait que la ligne médiane soit incomplète ça voudrait dire que les deux hémisphères cérébraux fusionnent ensemble ils ne font que un seul et ça crée ce qu'on appelle l'holoprosencéphalie. Et l'holoprosencéphalie, c'est juste quelque chose de quand même beaucoup plus grave. Puisque là, voilà, il y a quand même des déformations faciales. Et il y a des. Pas seulement le bec de lièvre, mais même plus que ça. Et vraiment, l'enfant aura beaucoup de mal pour apparemment pour se nourrir, etc. Mais bon. Voilà, moi j'avais trouvé ça en faisant mes recherches, mais c'était des recherches qui m'ont duré très longtemps, des nuits entières à chercher, à regarder des PDF et des PowerPoint d'étudiants en université, à l'étranger, en anglais et tout ça. Donc voilà. Alors j'ai été coupée, j'en étais à. Voilà, je parlais des kystes qui ont été découverts par le médecin. Le référent de la maternité, donc qui ont fait que le premier diagnostic posé par la sage-femme était donc faux. Donc ici on avait en fait des kystes. Alors sachant que moi, qu'est-ce que j'avais en fait à l'esprit? Donc c'était des kystes liquidiens, je veux juste préciser. C'est que en fait, moi dans tous les cas, je comptais garder mon bébé. Peu importe les raisons, je ne vais pas rentrer dans les raisons pour lesquelles je veux le garder parce que j'ai envie que ces vidéos restent ouvertes à tout le monde et que le but, ça soit de rassurer, ça soit d'accompagner. Mais mon but, c'est d'aider les personnes qui ont envie de garder leur enfant et de les rassurer, de les accompagner au travers de mes vidéos. Je respecte le choix des personnes de ne pas garder leur enfant, mais moi ici, je cherche à soutenir ceux qui veulent le garder. Je ne cherche pas à vous influencer, à vous dire de garder votre enfant. Simplement, je préfère le préciser. Donc, parce que quand on décide de garder son enfant, c'est un combat. C'est un réel combat, parce que les médecins ont tout fait pour, en tout cas dans mon cas, ils ont tout fait pour essayer de me dissuader de garder mon enfant. Donc, elle m'a tout de suite proposé un avortement, puisque j'étais pas encore dans les 4 mois. Donc, ce que j'ai refusé, c'était pas possible pour moi, mais j'étais pas toute seule, il y avait quand même mon mari,
Donc lui, il doutait un petit peu, il avait peur, il savait pas. Donc pour pouvoir, on a pris des décisions ensemble. Donc pour pouvoir, entre guillemets, être plus rassuré, même si ça paraît fou qu'on voit des kystes, des kystes très volumineux dans le cerveau de notre enfant, chercher à être rassuré, je sais que ça paraît fou, mais moi je ne sais pas pourquoi j'avais la conviction intime et profonde que mon enfant il allait bien. Je le sentais bouger, je sentais que, je sais pas, j'avais ce pressentiment qu'il allait très bien et que ces kystes n'avaient pas eu vraiment d'impact pour l'instant, en tout cas sur son développement, qui soit aussi néfaste que ce que les médecins essayaient de me dire. Donc, pour l'instant, oui, ce que je voulais préciser, c'est que les médecins, quand on leur demandait quel était le devenir d'un enfant avec des kystes interhémisphériques liquidiens, ils ne savaient pas quoi nous répondre. Ils nous avaient dit, on ne peut pas vous dire, ça peut être très grave, comme ça peut être un peu grave, comme ça peut être moyennement grave, on ne sait pas. Il faut continuer à suivre. Si vous décidez de garder votre enfant, on va continuer à faire un suivi pour voir l'évolution des kystes et puis faire un IRM pour constater les dégâts éventuels que ça aurait fait sur son cerveau. Sachant que pour eux, les dégâts, c'est sûr et certain qu'il y en aurait. Donc on m'a proposé l'avortement, j'ai refusé. Donc on m'a proposé quand même. J'ai pas refusé directement, je l'ai pas dit directement que je ne voulais pas faire l'avortement. Je sentis que mon mari il avait besoin d'être rassuré, donc c'est vrai que moi aussi j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai suivi les recommandations des médecins qui nous ont recommandé de faire un cariotype. Donc, c'est premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, pardon, deuxième rendez-vous. Donc, cariotype, qu'est-ce que c'est? C'est par le. S'appelle biopsie du trophoblaste. C'est un prélèvement du placenta. Trophoblaste. Donc tout simplement, il prélève un petit peu de placenta pour pouvoir l'analyser et déterminer est-ce qu'il y aurait éventuellement une trisomie chez notre enfant ou un problème au niveau des chromosomes. Donc il a été réalisé. Donc juste pour m'arrêter ici, je l'ai fait le jour même de la découverte des kystes liquidiens. Il m'a proposé de le faire tout de suite après. Si c'est à refaire, je ne le referai absolument jamais. Si vous décidez de garder votre enfant, je vous déconseille fortement de faire cet examen-là, à part si c'est une question de vie ou de mort, ou je ne sais pas si c'est une obligation vitale. Mais sinon, ça ne sert à rien, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, dans mon cas, déjà, c'était douloureux. Il y a 1% de risque. Oula, 1% de risque. Fausse couche. De fausse couche. Et en plus de ça, voilà, on m'a dit que je l'aurais sous 72 heures. J'ai attendu une semaine pour avoir le cariotype et effectivement, il n'y avait pas de trisomie, ni 13, ni 21. Mais malgré ça, on m'a dit que, après avoir fait cette biopsie, on m'a dit que même si ce cariotype il avait été fait, il n'était pas suffisant pour pouvoir éliminer toute anomalie au niveau des chromosomes, parce que pour ça, il faut quelque chose de beaucoup plus poussé et d'aller au niveau de la génétique et que ça se faisait après la naissance. Donc au final, voilà, bon, je sais que mon enfant n'a pas de trisomie, mais est-ce que si je savais que mon enfant avait une trisomie, est-ce que j'aurais avorté? Non. Donc vraiment, c'était une erreur de ma part, c'était un risque inutile, c'était un inconfort pour mon enfant, c'était une douleur vraiment énorme pour moi, physiquement. Donc vraiment, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Suite au cariotype, on m'a proposé de faire plusieurs échographies à répétition. J'essaie bien de me souvenir pour ne rien oublier. Voilà, donc on m'a renvoyé tout simplement vers un autre gynécologue échographiste spécialisé dans les problèmes cérébraux qui était très proche de chez nous par chance, on a eu beaucoup de chance. Et voilà, il nous a proposé tout simplement un suivi très régulier. Suivi, donc très très régulier. Très régulier à hauteur de, on va dire, tous les 15 jours. Quinzaine, voilà, on va dire par quinzaine. Il nous a fait des échographies. Donc c'était échographie à répétition.
Donc ça, ce que je voulais préciser, échographie cerveau. Ce que je voulais préciser par rapport à ça, c'est que ces échographies, au final, n'ont servi absolument à rien. C'était douloureux. En fait, il devait appuyer sur mon ventre et moi aussi, il me demandait d'appuyer sur mon ventre pour ne pas que mon bébé bouge, puisque j'avais un bébé extraordinairement dynamique. Il bougeait beaucoup. Et d'ailleurs, je voudrais préciser que les médecins nous disent que les échographies n'ont aucun impact sur l'enfant, que ça ne gêne en rien, qu'il ne ressent rien, que ce n'est pas néfaste pour lui. C'est faux. Les échographies, c'est quelque chose pour moi qui est néfaste. Parce que, je vais vous dire pourquoi, j'en ai eu la preuve, car à chaque fois que j'arrivais dans le cabinet, quand il commençait l'échographie, mon bébé était très calme. Et dès, en fait, quand il commençait, il posait la sonde, il était calme. Au bout de même pas 30 secondes, il se mettait à bouger comme si, je ne sais pas, il y avait un tremblement de terre à l'intérieur de mon ventre. Il bougeait dans tous les sens, il ne s'arrêtait pas. Et je sentais que c'est comme s'il refusait de supporter les ondes de l'échographie. Et moi, par ignorance, j'étais perdue, je me sentais perdue, je ne savais pas quoi faire. Donc tout simplement, je suivais ce que me disait le médecin et je revenais au rendez-vous. Tout le temps, j'y allais vraiment la peur au ventre. J'y allais en étant stressée. Je rentrais chez moi en pleurant, en étant déprimée. Vraiment, ces échographies, ce suivi, entre guillemets, de l'évolution du cerveau de mon bébé n'ont servi à rien. Et vraiment, si c'était à refaire, je ne le referais jamais. Sachant que je décide de garder mon enfant, bien évidemment. Si vous décidez de suivre et en fonction de la gravité de faire une interruption médicale de grossesse, dans ces cas-là, oui, bah écoutez, faites-le. Mais si vous décidez de garder votre enfant, c'est inutile. Ça ne changera rien, ça ne va pas guérir le cerveau de votre enfant, ça n'aurait pas guéri son cerveau, ça n'aurait pas amélioré la situation. Donc voilà. Sachant qu'en plus de ça, toutes les échographies qu'il a fait, au final, il voulait voir en fait est-ce que le cerveau allait grandir et que les kystes allaient rester à la même taille. C'est-à-dire que éventuellement le meilleur scénario, entre guillemets, on espérait, c'était voilà, c'était qu'en fait, tout simplement, hop, le cerveau, à peu près comme ça, hein, bah, ils grandissent et puis le kyste, vous voyez là, c'est plus petit, mais là, le kyste, il soit à la même taille. Mais le cerveau, il est grandi. Donc la partie, on va dire, qui est en contact avec le kyste, eh ben, en fait, elle soit de plus en plus petite. Et que donc le kyste ne crée pas de lésion. Ça n'a pas été le cas. Malgré toutes les échographies, le suivi, ben, en fait, ça n'a servi à rien, puisque, comme je vous ai dit, ça ne va pas guérir, ça ne va pas guérir du kyste. Donc tout simplement, ben, le kyste a continué de grandir en même temps que le cerveau. Et on m'a proposé donc, suite à toutes ces échographies, un IRM. J'ai eu un rendez-vous à l'hôpital Trousseau. On m'a proposé un IRM que j'ai fait donc au 6e mois de grossesse. Alors, là, la vidéo, je trouve qu'elle est un petit peu longue. Donc je me demande si je ne devrais pas m'arrêter là et vous faire une deuxième vidéo. Pour faire une petite pause, mais déjà voilà, je pense que je vous ai quand même donné un petit peu quelques lignes comme quoi, bon voilà, le premier diagnostic il était faux, donc gardez espoir dans le fait que même si on vous donne un diagnostic, ça n'est pas figé. Les kystes liquidiens en fait, ils font que repousser le cerveau, donc ça faut poser des bonnes questions aux médecins, faut pas juste écouter ce qu'ils nous disent et quand ils dramatisent les choses. Il faut poser des questions concrètes. Qu'est-ce que le kyste a comme impact sur le cerveau? Tout simplement, il le repousse. Il ne le détruit pas. Il le repousse. Donc déjà, ça, c'est déjà quelque chose qui est assez intéressant de savoir. Donc ce n'est pas la même chose. Autre chose, la biopsie, le prélèvement du placenta, il y a 1% de risque de fausse couche. Ça n'est quand même pas suffisant pour écarter tout risque de problème au niveau des chromosomes. Toutes ces questions, il faut les poser pour savoir déterminer est-ce qu'un examen est utile ou pas, quels sont les bénéfices, quels sont les risques pour vous.
Voilà, le suivi très régulier des échographies à répétition pour observer un cerveau, c'est un organe qui ne va pas se régénérer comme ça, qui ne va pas guérir avec des échographies. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire toutes ces échographies? Moi, ce que j'ai pu observer en tout cas au fur et à mesure du temps, c'est que tout se passait bien dans ma vie, je me sentais bien. Je profitais quand même de ma grossesse. Je profitais voilà, de cette période qui est quand même très particulière, malgré tout ce qu'on m'annonçait. Mais chaque fois que je retournais chez le médecin, je rentrais déprimée. Je rentrais en pleurant. Je ne mangeais pas. Je m'endormais avec mes habits. Je m'allongeais, je m'endormais avec mes habits tellement j'étais pas bien. Et je me suis rendu compte que ce sont ces examens-là, ce sont ces rendez-vous-là qui ont créé ça chez moi, qui ont créé cet état de mal-être. Parce que le lendemain et le surlendemain, une fois que c'était fini, que le rendez-vous était loin derrière moi, ben, ça y est, je me sentais beaucoup mieux, j'étais contente, j'étais rassurée, j'étais optimiste et je continue à garder espoir que mon enfant il aille bien et à faire des causes par l'alimentation, par le dialogue avec les cellules, par beaucoup de choses donc, que je vais partager avec vous dans les prochaines vidéos. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère que déjà ça vous aura un petit peu aidé. Je sais que chaque cas est différent, mais en tout cas, voilà, sachez que si vous décidez de garder votre enfant dans tous les cas, tout est possible et ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, le cerveau, ça reste quand même une science qui est inconnue. C'est une science qui est très approximative, qui est basée uniquement sur des hypothèses. Et nous sommes à l'aube de découvertes extraordinaires sur le cerveau et sur la neuroplasticité cérébrale, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions. Donc gardez espoir et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur le diagnostic anténatal où je vais vous donner encore plein de conseils et mon expérience. À très bientôt. Prenez soin de vous.